arrêter avec cet intégrisme qui désignera le futur président. Oh, mais vous savez, il faut arrêter avec cet intégrisme qui nous avilit, cet obscurantisme. Vous voyez, le peuple confère, je voudrais même aller plus loin, le peuple confère le mandat de 5 ans à quelqu'un. Mais savez-vous que le peuple est capable de retirer ses mandats une année après, dire que monsieur, nous vous avons donné ce mandat de 5 ans, tu es incapable, nous reprenons notre mandat. Ça ne voudrait pas dire que quand on est élu pour un mandat de 5 ans, on est là, c'est 5 ans qu'on doit faire, même lorsqu'on ne fait rien, même lorsqu'on travaille contre le peuple. Le peuple t'a même de retirer son mandat. Vous l'ayant donné, le peuple trouve que vous êtes incompétent, le peuple trouve que vous travaillez pour vous-même et pas pour lui, il peut vous retirer ce mandat. On a vu ça dans plusieurs pays. Ce n'est pas l'anarchie, on parle de démocratie. C'est ça, vous prenez c'est ça la légalité, la démocratie. Vous prenez la légitimité. L'anarchie, ce dont vous parlez, c'est l'anarchie. Mais le peuple, il récupère son pouvoir comment? Mais là, nous allons tuer ce pays. Là, nous allons carrément tuer ce pays parce que un jour, on aura des présidents qui ne feront rien pour ce pays. Par la force des choses élus, mais il ne fait rien, le pays est en train de mourir. Le peuple est en droit de dire, monsieur, arrêtez. On l'a vu en Tunisie. On l'a vu en Égypte. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens que la légitimité, lorsqu'on l'a, on est devenu intouchable. Non, mais c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple, pour le peuple. Patient Ligodi, actualité. Voilà, bonjour, topé, bonsoir, peuple congolais, bande konangai balandi à Congo, États-Unis TV, boye imalamu, webike, depuis hier, toza kolobela sur la disparition, l'introuvable président congolais, le président actuel, monsieur Antoine Félix Tshisekedi, et je pense que, batutu baza kolanda biso, au Bazali près de l'actualité, ça pour comprendre pourquoi on en parle comme ça. Et il y a des gens qui sèment encore des doutes, hein, qui pensent que on a mis la galerie ici. Bon, notamment bah événement ils ont succédé dans Kata Congo, ils ont fait croire que donc la situation est un peu compliquée. Bon, la situation est un peu compliquée pour le moment, parce que depuis hier, Tina Salama nous a balancé deux images, deux photos. Et je pense que Binope Tubo Monaki Ango, elle est quand même pas n'importe qui. Azali Moutoua travaille à Kanakati à présidence. Donc, Soki Moutoua travaille à Kanakati à présidence. A Tindeli Bino, bah, image, to, a publié, bah, image, dans les réseaux sociaux. Vous pouvez pas avoir de doute sur ça parce que, il y a publié ma information erronée, il y a le risque en est que si la dame publie des informations Oyezali, n'est-ce pas erroné, je vous assure que il y a un problème très sérieux dans l'ordre hiérarchique, hein? Même dans la présidence, à cause d'un problème, Tina Salama a publié qu'il a eu image. Et nous tous, nous avons suivi cela. Et mais bah, image en haut, ça suscite beaucoup de doutes. Pour les Congolais, dans la recherche, la technologie est makasi ko aider batou. Quand la technologie n'existait pas, les gens ne pouvaient pas bien encore une telle fois visionner l'image. Mais pour l'instant, je vous assure, les Congolais ont eu le temps. Bandalo ibazo benga pas tata la bien ah la bi bandeko na uti ko sa l'émission boruti ko landawa ngana lobi ke on ne peut pas confirmer mais selon ba source na biso to yiki ke Chilombo aza hospitalisé na Bruxelles na la zongite ndenge to landa ki pe chiko tintambwe ke et plutôt Christian Tioé na uti ke la bino pe boyo kandenga lobaki depuis hier que Félix aza na Kinshasa te mais comment ti na salama bimisi ba mabi pas tata la li susu pasta. Bon, on a une petite information. Les Congolais vont comprendre. Ils vont aller à l'issus. On a expliqué. L'image de Tindelinga. On a peine expliqué les Congolais. On a qui s'appelle les Congolais. Alors, vous-même, vous avez un peu de temps. Beaucoup jugé. Ce qui m'a cambutina, ça m'a mis sur l'image. C'est un vrai baiser. Le kouta. Moukwa tombolo. Moi, maï. Fachibé!
Ah, la présidence, on a lobby panique totale, tant on a salé. Kasingam na poussé Tina Salama, abimisa ba image Johanati. Oh, panique totale, tant on a balancé vidéo, ya lobby wana. Tina Salama, j'ai eu vertige à qui publier ma photo. Vous voyez, vous avez un invité qui est la présidence. Voilà. Alors, Togolobela, dossier Waneza Makasi. Et puis, Togolobela, n'est-ce pas, parade militaire. Et Salamakilo, excusez-moi. En pleine capitale de Kinshasa, avec le chef de, le général de la police, chef d'état-major, Christian Tshiwewe. Oyo atena ki parade à Sangisa ki ba policier na ba militaire, on va tirer quelques points là. Et puis Tokolobela lisusu nini Tokolobela l'est de la République makamuni nezo le kakuna bande konangai bakena mango fallait bakende ki sangani ah nga bana bana far de ce boke nino ki sangani encore bana bana ba choyile ki sangani kuna bazwa bino ba bande kwa kasai pokuna la majorité surtout ya ba jeune Félix Atini na côté est kuna boye eza bande kuna biso ba luba bana ba jeune luba o Félix Atini na kasai fallait batinde bino na ki sangani bana boyo ba benga ni boyomba so bayom ah terme nezo ki mangai pas joie bino ba fille wana ya ba kisangani ndenge toyoka na masolo ba récupérer bino bobo sana mala moko kasai tsoke za la ndenge nini ça passe si trop boyomba ah boyomba soy boyoma fallait bana boyoma ba joie bino funa bobo sana kasai za la ndenge nini boka ngama na bino kuna libela ah gaye et ça compliqué trop voilà. Rapidement, nakota non na aimé, n'oubliez pas d'aimer. L'obito mona ki ba j'aime ezala ki mais pas trop suffisant. Yozo kota ezala na bande les missions, ezala na souke mission ou okolanda biso après aidez-nous vraiment à partager l'émission et puis à aimer hein vos j'aime et porter chaque émission et porter chaque appé ba chaîne na biso oyo to lexe la rabino actualité. Alors rapidement, na ngina bande na dossier. Il y a Christian Tshiwewe, chef d'état-major, il y a République démocratique du Congo, il y a FARDC, armée, il y a RDC. Lobby a tena ki parade, je crois qu'il bat belé, bon meka ki un peu kolanda parade wana, boyoka ki makamunini ye alobaki. Ngana zongeli parade wana pona nini? Parce qu'il y a des points qu'on doit soulever ici. On ne fait pas l'aventure avec l'état. Et surtout avec l'armée, où ils allaient censés à protéger le peuple congolais, protéger ensemble la nation. Tshiwewe a lobby ébélé. Dans moment, il y a parade. Lobby déjà, la bande de Kobi Sabino. Quand Tshiwewe parle, vous sentez le vide intellectuel. Katinaï. Je ne vous mens pas. Ce qui osa pena, mouto et pena, et bi makambo bien. Boyo ka Tshiwewe soka zoloba. Au ressentir vide du mot intellectuel les akatinaï Christian Tshiwewe. Alors lobby a lobby est belé na paradouana a lobby est belé et parmi tout ce qu'il a dit on a retenu quand même quelques points. Alors na lingi na lobango boyete na lingi na tike la bino vidéo boyo kaninga zoloba toyo kaninga zoloba et puis to sala analyse na biso na makambu elekaki to oyo yé alobaki n'est-ce pas na moment ya meeting na voilà attendez tous yango pour vous bozela to bandela ngo awa et boyoka chi na armée congolaise. Vous n'avez pas l'intérêt y'a de collaborer na monguna. Vous n'avez pas cet intérêt-là. Parce que nous parlons de la devise la trahison. Katikati na bino katandenga na lobi mota na biso eza na bitumba. Nous sommes en guerre. Mais
chose grave, tozana batu oyo, bazo corrompre bango facilement, bazo tindika bango, ba pose ba acte ya mabe. Et puis batu oyo bazo tindika bango, bazo kata batu na biso. Plus grave, des fois nos politiciens, ils ont secrété parce que Bolandi Landi Yango na ba télévision, bazo la kisa ba homme politique, bazo instrumentalisé par militaire na ba policier. Yango na profité na minute oy. Parce que na Lubumbashi. Bakangi ba officier ya armée. Bakangi ba policier ya armée ya dani ya police. Baza na Kinshasa. Awa na Kinshasa. Tosi to kangi kangi ba officier mon souche. Pour la trahison. Et avec preuve. Et eux-mêmes passent aux aveux. C'est grave. C'est grave. Nalingina non a tout nayo. Aux âges générales, il y a FRDC. Aux âges générales, il y a police. Aux âges colonels, il y a FRDC. Aux âges colonels, il y a police. Aux fins de la ville. Aux âges mamoutou kanayo. Aux âges mamoussi nayo na bananayo. Ok, yo zong yo tali moi sina yo. O mati yo zong yo tali fibota na yo. Mais on dit babenga yo rebelle. On dit vraiment babenga yo rebelle. Est-ce que on y a dit signification y a rebelle? Yo vraiment offendu. On s'en a yo qui vient. On s'en a yo bien sans problème. Mais un politicien ailleurs, au soir boyé, au coma boyé. Mais qui a trahi, trahira toujours. Voilà. Wana Botu Koyoka, c'est Christian Tchioué qui parle aux officiers, n'est-ce pas, de l'armée congolaise, pour la Koye Bisabango, que celui qui trahit, trahira encore. Alors, ça ne sert à rien de trahir le pays, de trahir la nation congolaise au profit ou aux intérêts. Il y a quelques personnes, Oyo, Bazali, Soki, bah, mal intentionnés, comme il parle de cela, il parle de politiciens, Oyo, Bazali, qui ont instrumentalisé le policier et militaire pour bah, trahir Mboka, Bakioma, bah, rebelle. Je crois que vous avez suivi très bien le dire de Christian Tchiwewe. Alors, on va analyser sur ça pour que Toyeba et l'obéliwana Christian Tchiwewe à l'obi, il s'est adressé à qui? Oyo, ye, à l'obéli, oyo, à Sengi, s'il y a des accusations. Et puis, ils ont, selon lui, Tchiwewe, arrêté quelques personnes officiers de l'armée comme de la police, oyo balekina ba veut ba lobby bango moko keno, ils étaient instrumentalisés par les politiciens pour que ba rejoindre ba rebelles. D'ailleurs, il ajoute encore que tu regardes toi, tu es bien ici, et tant que policier, tu as ta femme, tu as ta voiture, obimi na tongo, ozongi okuti mwasi nyona bana na yo, et tu de le olingo ko ma rebelle. Bon, alors qu'on tourne la question, est-ce que Ebi, qu'est-ce que signifie rebelle? Mon wana rebelle le binini. Donc, lui-même, j'ose croire que, yamon Ebi Sibino ne bandeli. Je pense que Tchiwewe n'a pas la connaissance ou ne connaît pas vraiment qu'est-ce que signifie mon wana terme, mon wana rebelle. Donc, quand on dit rebelle, pour les Congolais, ils pensent que, ils ont terme mon wana grave. Non! Faut consulter les dictionnaires. Qu'est-ce qu'on appelle par rebelle ou rébellion? Faut consulter. Mais quand on vous parle de l'article 64, soulèvement populaire, qu'est-ce que c'est ça, rébellion?
rébellion quoi ça la paix civile mais on regarde si la rébellion faut ça minduki donc on a monique on a vu sinon que il y a le vide à Christian Tchououé et le vide intellectuel d'abord au moins tant babenga article 64 peuple à Tomboki. Hein? Peuple a s'est soulevé, a tombé. Ce sont des mots français. Mais consultez simplement le dictionnaire rebelle, terme en Ngolobani. Moutou a s'est rebellé contre quelque chose. Cela veut dire seulement ça. Moutou a s'est rebellé. Donc, a tombé qui contre l'eau, Mokoboué, Oyazo Sepela Nangote. Yangona Benga rebelle. Et ça a la signification, Moussou Souté. Il y a maintenant il y a rebelle oh il a simipé Mindouki on a un peu et comme peut-être moi j'arme Moussousou il y a rebelle Moussousou et rebelle Moussousou pèse en abanda côté moi n'en ai pas tombé lio toyo capé va rebelle Moussousou pè moi n'a pas béti papa on a pèse en rébellion moi n'a tombé liba para moi n'a boyi koyo kaba para et ça fait rébellion donc rebelle on a pas forme belé donc terme on a rebelle et ça terme moko gravité oh bah comme tu voyais est-ce que y a des termes rebelles lobinini esa gravité esa terme moko simple c'est un mot français esa kaka mutunde atomboki contre loko moko boye soit et ses pelicité soit azali contre yango soit pour na ba idéologie na ye amoni ke oh bino bozo sala na ye ko simbate atomboki alobi ko lekate panangai asali banina donc ça sous forme neti par exemple na lobi na bino na terme ya article 64 si le peuple se soulève alobi ke na lingi sous ba dirigeant oyote baza ko encadrer ngai mais cela a été écrit dans la constitution pourquoi la constitution est prévoyant eloko wana parce que ba yebike ba tumususu ba ko ya na ba intention ya mabena pouvoir pour na conduire peuple et le peuple qui se sent en danger que non bato bazo nuire nga baye baza ko sala le intérêt na ngai te le peuple a le droit de se rebeller et quand le peuple se rebelle comme cela est dans la constitution bazo ben ngo soulèvement populaire ou bien bazo ben ngo renversement d'institution mais pas le peuple donc ça ngo différent na oyo bananga pe baza ko sala maintenant qu'est-ce qui se passe retenez je vous explique qu'est-ce qui se passe la différence entre ce qui peuple a tombé qui yemoko a renversé ma institution, c'est reconnu, c'est légal, a zan a droit ko sala yango, entre ba o ba nanga ba zumi minduki, pona ba ya ko kota awa, ne ba zo linga ba kote la, ou bien ba zo ko sala ba taki na Congo. La différence c'est quoi? La différence en est, le peuple n'a pas de contrôle, n'a pas de maîtrise, a ko la mokaka ake a bandi, ah papa papa, sans que mouta orienté. Mais maintenant, le problème aussi, le peuple ne demande pas ou n'attend pas que politicien moko ou bien membre moko boye atinde ya salango par sa colère par misère à zo vivre ba makambuto azo mona médiocrité azo mona na gouvernement manque d'emploi manque d'assistance nyoso net ba ka auto zo vivre na ngona Congo si nous étions na ba mboka mususu mbele si peuple a tomboka sala rébellion ya munene abengana ba dirigeant oyo tout la classe politique oyo tout ozalango na Congo mbele si ba lava yango peto bande la classe politique ya sika mais comme nous avons un peu de problème na Congo sur ce point il y a quoi atteindre maturité wana que population tellement rapidement et comme maintenant la deuxième catégorie oyo tozomona neti bananga bazo sala. Pourquoi bananga bazo sala rébellion ya minduki sikoyo? C'est là maintenant il faut expliquer na tiwewe à comprendre peut-être yazo comprendre dans côté comme il y a le vide intellectuel na mutunaye. Batu bakomaka na rébellion ya minduki pona nini? Na makambo Félix aza ko sala. Qu'est-ce que Félix fait aujourd'hui dans les pays? Il a tribalisé le pays. Pays où on est à, il y a Etini mon côté. Mais si vous regardez les nominations de Tshilombo depuis qu'il est président, vous sentez que Azope sa koteri na ye na tribi moko. C'est déjà ça, à cause de ça. Batmakoki kota la, et pays kotinda batpe basi ma minduki. Bakoma ba rebelle. Deux, l'économie du pays n'est pas bien partagée. Ce que t'as lu l'économie à Congo, la famille Tshisekedi, toye bibango, qui n'ont rien foutu à Bruxelles, babande ko la na ba location, banda ko ba location, banda ko l'état, personne dans la famille Tshisekedi n'avait même pas ata appartement ya chambre moko à somba na Bruxelles azala kité. Mais aujourd'hui si vous les regardez, ba comme ko roulé na ba car moko ya ko sakanate qui coûte les 150 200,000 $300,000. Vous regardez la famille Tshisekedi, ba comme ko contrôler ba minéré na Katanga. Tous les minéraux, zizé minéré ya Katanga, c'est la famille Tshisekedi. Ce qui m'a dit, ça peut aussi faire un soulèvement populaire.
populaire ou soit demander aux gens d'aller faire la rébellion. Il y a Mindoke pour partager Bomengo Yamboka. Nenge, famille Tshisekedi dit Bazo Salayango. Trois, si vous regardez la situation politique dans le pays, le social n'existe pas au Congo. Le peuple souffre, manque d'emploi, et puis manque de quoi, de soins de santé, manque d'assistance. Il y a l'État, Nyosoto et Sangani, ça peut faire que Batba Kende na rébellion. Soit le peuple se soulève, soit Batke aussi Mamindou qui n'est inanga. Mais on y a banangé comme une ngwana pour la nini. Il y a banangé comme une ngwana. Voilà le pourquoi le cardinal Ambongo vous a bien expliqué. Aebisa ki binoke tala batba koma kana point ya kosinga minduki soki ba monike ba droit o esengela ki to revendiquer na mboka awa to ko revendiquer ngo te poso ki to meki botindi ba policier parce que vous les contrôlez mentalement moralement botindi ba beti biso masasi ba bomi bango et puis bo couvrir bango de deux soki to meki ko sala boy bo kanga biso botindi biso na prison. On n'a plus le droit de s'exprimer, on n'a plus le droit de manifester, on n'a plus le droit de revendiquer même qui que ce soit. Alors toutes ces choses là, ces éléments là, quand le peuple se sent coincé, qu'est-ce qu'il fait? Soit ba monique nzela musu seza ya malamu oye ko ko yokisa makambo biso to lingi ezali rébellion ya mindoki parce que ba yebi ke rébellion mindoki. Il y a peuple beaucoup maté bango facilement. Bon maté bango pe bavandi. Mais on va pas besoin de Mindouki beaucoup raisonner deux fois, trois fois. Yango moni Félix a tindi ba tiwe ba meki ba meki ba meki bazo kokate ti lelo bananga bazana kata Congo. Pourquoi bazo kokate? Parce que les nanga ont des armes. Bazana Mindouki. Boye beaucoup bête la Mindouki lokola mibali bazo bête la Mindouki. Bino beaucoup koufa bango pe bako koufa. Alors à la fin de compte ba on va osala plus fort ba ko gagner. Alors, si vous avez besoin de conditions, il faut réfléchir deux fois avant d'aller attaquer Nanga. Entre temps, vous avez rébellion Mindouki, vous avez besoin de avancer pour la cause na bango. Voilà ce qu'on appelle par la rébellion. Et ça, côté qui a péché, et ça, côté qui a été grave, et ça, le terme français qu'on doit expliquer aux Congolais pour que vous ayez baqué. Et ça, différent, soulèvement populaire. Civil, le soulèvement populaire pour ne pas renverser le régime. Et ça, différent. Différent, c'est Zali Kaka. Bato, bamande, ko sala, pour ne pas renverser le régime na Congo. C'est sentir que ceux qui ont été emprisonnés, ils ont été emprisonnés. Le col, ils ont été emprisonnés, ils ont été emprisonnés, ils ont été emprisonnés, ils ont été. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme on est des hommes, parce que Moutalinga, ils ont été emprisonnés, mingi. Allez! Ami bon, nzela pa Mindouki peut, on peut faire ça. Nde ba kesu ma Mindouki. Ndenge bananga bazako ya wana. 1.3. Wana ya liboso. Ya mi balé rapidement parce que le temps aussi ezo kende biso. Ya mi balé ezali nini? Ki wewe parle ya ba policier militaire bazali bien na kata Congo. Ça c'est vraiment la foutaise. Ba policier na ba militaire bazali bien wapi na mboka ni na Congo. Quel est le salaire d'un général dans l'armée congolaise? On connaît tous ici que il y a pas même yemoko tiwe na salaire normal, il n'atteint même pas $1,000 les mois. Tiwe peut nous dire son salaire par mois, il peut nous montrer au Congolais parce que ici aux États-Unis batutu bayebi salaire en général. Est-ce que bayebi salaire tiwe bat ngana za na ba mi militaire. Tiwe salaire n'est que $1,000 par mois. Quel est ce général qui au Congo salaire n'est même $500? Les sous-officiers là, oh y'a zako lobana, oh baza wana ba capitaine, salaire na moza kome, $300 le mois, $500, $400 le mois. Oh y'a souka, salaire na bango, baza na ba 200, ba 250, souka, libele ba 300. Y'a tu ou y'a n'y'a ko sanan. Bien ni n'y'a ba militaire à Congo baza na. Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'un policier congolais peut acheter même un vélo? Vélo, ils ont coûté sur $100. Est-ce qu'un policier congolais a consommé un vélo? Na salaire ba foutage par mois. Les militaires qui sont au front, est-ce que baza capable ya ko somba même a outi front bimi wa somi ndako, a somi lupang. Combien on leur donne comme des primes? $10 par mois. Et puis ya kana retard, nde ya ngozo ba condition za bien. Ils sont malheureux. Alors quand les gens sont malheureux,
ce qui va proposer un bongo à kokende ce qui va rendre ma condition na bango viable té bo bongi si ma condition na bango té ba kokende na même si on sali ba parade wana to bouti ko sala ezali passe temps pour rien tant que les conditions des militaires et des policiers ezali réunité ce qui va proposer bango mbongo va proposer bango ba biloka bien ba kokende rébellion ça c'est trompé. Trois qui va lobby qui va avouer. Il y a des gens qui les ont arrêtés, bah avouer que ce sont des politiciens, bah ça instrumentaliser bango banine et tout ça. Ça aussi c'est grave comme déclaration. Il y a le vide intellectuel à Christian Thuo. Il y a vraiment le vide. C'est grave comme déclaration tout ce qu'il dit. Comment dans un pays très sérieux, un général chef d'état-major passe à la télé, filmé, montré directement à la RTNC, avoue devant le public que Bato et Tozo Kanga, bah sous-officier comme de la police et de l'armée, avoue qu'il y a des politiciens bazako kotinda bango ba kota rébellion. Oh! Mais bozana bango et les politiciens là se trouvent où? Dans le même pays. Ils sont là, surtout la majorité dans la capitale. Mais pourquoi vous les arrêtez pas? Pourquoi vous n'arrêtez pas ces politiciens là qui instrumentalisent l'armée ou les policiers bah se rebeller? Pourquoi bozoko Kanga bango te? Faux argument, loukouta, mensonge, manipulation. Faux argument. D'ailleurs, c'est grave. Ce que tu es à Outu Kolobawana, c'est grave comme révélation. Ça peut lui coûter cher. Ça peut lui coûter cher. Mais, Batmagolanda était pour Alobiango, na vague. Na le vague, pourquoi? Parce qu'il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Autant dit comment moutouté, ou l'obiga biloba l'obanayo. Donc, moutangomo n'a pas dit que c'est un. On ne peut pas tenir compte de ça. Vague! Vague et le vide intellectuel dans le discours de Tchoué. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à Makambo et à Lobby, Naba Bétis, Naewana. Donc, l'armée n'est pas motivée à quoi Naba Ninouana, Pamba Pamba, Outi Koloba, Bande Konangai. Et puis, étonnant en est, l'armée congolaise avec Christian Tchoué est commis. Église, comme lui-même est pasteur, allez, a transformé pour faire de ses pasteurs. Ils appellent un enfant, moi, Namoukie. L'enfant-là, je crois qu'il peut avoir. Nandimite Kako, comme on a 10 ans. Naébite, je ne pense pas que cet enfant peut avoir 10 ans, ou 11 ans, ou 12 ans. Donc, si, à cause même na 8 ans, 9 ans comme ça, ou 10 ans. 9 ans comme ça. Moi, je suis bien ici, et pas tué. Aya kopé sa ba militaire moral. Ah, Seigneur de gloire. Ah, Congo! Non! C'est pas possible. Un enfant de 9 ans qui ne comprend même pas l'essence de la vie. Ils disent, lui, il a reçu le Saint-Esprit, il connaît Dieu. Donc, lui, il peut donner morale à l'armée. Vous jouez avec les gens, quoi. Ça, c'est la. Quelle bêtise, ça! Et puis. Si lui-même Félix Tshisekedi où on ne sait même pas là où il se trouve, à Kanyima Bokonae, à Zotala, moi, je suis là, 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 franchement, là, je suis là, je suis. Cette armée-là peut faire quelque chose là. Cette armée, c'est ça l'armée congolaise. Fardese, oye ko bunda bituma na front. Po bazoya na bana mikie ba ko sala ka moral wana. Moi na 9 ans qui ne sait même pas le sens de la vie. Oh God. C'est pas possible au Congo. Regardez pour vous-même l'image ici. Daliboso, ezali image ya yemoko. Tiwewe awa, attendez. Va bien. Voyo ka tiwe awa. Boyoka tué. Ayami Moussaï Nanzab. Prophète Josué. Prophète Josué. Jeune Wana. Un enfant de 13 ans. Que je ne connais pas. Naïebi même combo naïe à Katite. Naïebi bapara naïete. Boyoka. Mais il me dit. Yoka. Que prophète Wana a outi Kaemi. Na Kalemi. Avant à Koma Kinshasa, Aleki Goma, après Goma, Aleki Kisangani,
et puis à Komi Kinshasa. A Tiki Bapara Naye, papa na mama baza en ville, baza na Kalemi. Tarabouzo. Mais cet enfant de 13 ans, 13 ans, 13 s'est déplacé seul. Et maintenant là, il est avec nous. Et les gens trouvent ça normal. Ma bêtise, ma boko. T'as la bêtise. T'as la bêtise. Bande Gonangaï. Bazo beta ma boko. Na armée. Balobi. Cet enfant de 13 ans s'est déplacé seul. Moi, na 13 ans. Allongé na Kalemi. Allé qui soki Katanga. Allé qui Goma. Ake qui Sangani. Et puis, à se retrouver na Kinshasa. Bato ma bêtise ma boko. Pa. Azali parmi bango. C'est le prophète. 13 ans. 13 ans. Attends. Vous connaissez le loi Nabambo Katuzali. Comment un enfant de 13 ans mineur, na Ajwana, qui doit être contrôlé par ses parents, peut faire le tour, il y a trois provinces, sans que ses parents n'aient pas à le courant. Vous trouvez ça normal? Un, d'abord, c'est l'irresponsabilité des parents. C'est d'abord l'irresponsabilité des parents qui doivent d'abord être interpellés par l'État. Comment moi, Nabino, comme d'abord, tant qu'à moi, on a comme qui na Goma, on pouvait déjà l'arrêter et puis le renvoyer à Kalemi. Et puis interpeller les parents, na Kalemi, à partir à l'autorité à Kalemi. Comment moi, on a commis déjà à Koma Goma? Qu'est-ce qu'il a fait? De 13 ans. Comment on peut laisser un enfant de 13 ans à surquiller Yemo quoi qu'il est Goma? Ça, c'est un pays, ça! Oh, Mboka Yangoyo, Mboka Yangoyo, Bozo Bakeno, le pays là va bien. Mboka Yangoyo, général, je vous dis que Chiwewe a le vide intellectuel. Il a le vide intellectuel, Chiwewe. Il parle de ça, général, il a fait de ça. Chef d'état-major, il y a Congo. Azago pesa histoire, il y a moi, na 13 ans. Nenga longa pa wa papa na ye, atiki ba papa na ye, na 13 ans. Ake Goma, ake Kisangani, et pa ye Kinshasa, sans parents. Lui, tout ça, c'est bon. C'est Dieu qui est avec l'enfant. Congo, RDC. Ha! Ah! C'est pas possible. Boyoka. Voilà. Yewana mwanangu, tale yewana. Mais papa kozo bima na kati ya monoko ya mwana oyo. Tala. Aza mwana te. Na yebite message nini ya zana yango. Atiki papara na ye, abana ayakiti, afani me naka. Naka. Mwanoy. Kondele mkonde ayakiti ye. Mwano azana 13 ans. Je ne pense pas que cet enfant est à 13 ans. Il a tout fait pour Akuta Nangai. C'est comme ça que Nayebisaki est. Je suis chrétien. Et le commandant suprême lui-même, c'est le premier chrétien. RDC. Et Tessa Mboka Oyo Namabokoya. Jésus Christ. Ah! Je n'ai pas trouvé du mal. Il n'y a pas de paix. Ah! Vous en avez deux minutes. Bande Gonangaï. Alobaki même plus de deux minutes. Moi, na oyo alobaki plus de deux minutes. Makamba lobi yango yo poto zwatan.
Ah! Ah! Ah, Zambé. Moi, non, on a 13 ans. Bon, je ne sais pas encore des conditions du Congo aussi. Bon, peut-être c'est normal. Parce qu'il y a 13 ans à Potoa. Soit au Taliban, il y a 13 ans à Potoa. On dit matin, il y a 13 ans. Moi, non, bon, je ne sais pas. On a le binaire à condition, tout ça, on a le Congo. C'est peut-être possible. Parce qu'il y a l'âge à moi, non, on dit matin, à cause de 13 ans. Bon, je ne sais pas. Moi, on a 13 ans. Aïe, le devant, papa, tata, mi bimbawana. Ba koko na eba zana katuana. Aïe, ope sa wango moral. Ya go lingamboka. Oh, Jésus. Ah! Ah non! Pas jusqu'à ce point. Pas jusqu'à ce niveau. Eh! Oui, le Congo pende koufina ngo. Je vous dis la vérité, Congo est koufina ngo. Qui oui? Papa. Vraiment, tu es à l'aise, prophète. Ah. Vous avez écouté la tonalité de l'enfant. Vous avez dit tonalité, n'est-ce pas? Ah, faut voir bah, qu'il y a mutunaye ya yandinga, mutunaye yandinga, ya ikolo, mawatro. Naye mogo tiseke di soki patala ki ango lobi abeti maboko na ebite. Quelle bêtise ça. Ah! Parade militaire. Oh Congo. Toleka toleka parce que avec ce truc pareil na ebite comment gout na ko expliquer bino à longue et à large ces bêtises ici bozoko yo kabande ko langai. Mais ce qui est frappant ezali peut-être tu azo ebate. Je vais vous montrer hein, le quoi la militaire à Congo condition est bien té pour vivre paix est bien té moni maona est la république makamba ko mosa na bangwa ba militaire wana kuna banini ba kombo lingana ngoba momi kuna na kata est bo ba sani salaire est tabia na kutena sheri na ngai ya est kotoyo alingi na ye ataza far de salingi ni momi na ye na est kuna bina bandi vina ngao bandi vina ngao makamba bino ya est kuna ya bitumbana. Na la yegi awa na kutena momi nanga. Na bandivi nanga ya awa na bosa ni mamulabino afar desi. Kutu baza na chance. Ndengi na zolo ba. Soki ba kenda yiki sangani. Na ebite lelo ba na kasai. Soki ba hoza la kombe susu na kata armi wana. Pana boyoma ba kangabango. Na ebite soba inga baza susu kombe na kata armi. Voilà un peu l'aventure de Christian Tshiwewe. Oyo asala ki lobi na parade militaire na ye. Rapidement ici. Il y a la famille de Chérubin Okende qui vient de porter plainte contre l'inconnu. Suite, il y a Liwa, il y a Mwana Nabango, il y a Ndeko Nabango. Oyo Tilelo, peuple congolais, Sogito Landib Information, Oyo Tozanango, qui nous fait état que Azaraki assassiné par la présidence de la République. Et Bandeko ya Tisekedi, Mbaonde Babomakiye. Na ulaksabino yango peuple congolais et puis ba porter plainte na bango on ne sait pas si la plainte est la considérée ou pas on verra la suite ya plainte oyo bisike zokende peuple congolais pour que ba tenir le pain puis gain de cause nde makambotinda batba kende ko sala ba rébellion yango yo parce que quand les gens sont maltraités dans leur propre pays Nenge Chérubin Okende Koufela, Tilolo suite des alités. Alors, pourquoi pas, Batouba Sala, rébellion. Donc, la famille a porté plainte, mais on a écrit ici, plainte contre l'inconnu. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont dit plainte contre l'inconnu. Et, qu'on interpelle Nani, on ne sait pas. On verra la suite de cela. Ça veut dire que le dossier de Chérubin Okende n'est pas encore close. Nenge Batouya République. To procureur alinga ki a clore yango dossier a Chérubin Okende ezali ko continuer on verra la suite dans les jours à venir soki bakoye bisabiso nini na plainte oyo famille a outi ko déposer
et je peux vous montrer la plainte et rapidement tout sauter tout kende na makamboyo ya ma photo tout tu komona côté ya Félix Tshisekedi mais là vous permettre ngana la Sabino plainte wana et en même temps na ko la Sabino pe deux points bah t'as pas perdu puis bah on peut passer plein de choses dans les camerounais je ne sais pas mais je vais quand même vous montrer cela Bomona alors la plainte de la famille de Chéribien Okende Yangoyo Awa voilà voici la plainte de la famille de Chéribien Okende Yami Balé Yangoana. Alors, je vous laisse d'abord écouter comment la souffrance y a va faire baisser la France. Voilà. Voilà, c'est un militaire de FARDC. Voilà, les conditions et le travail. Il y a ma gêne, la majorité. Bonjour, la tonalité. Kassai. Alors, on ne sait pas, on verra. Ces jeunes-là, au bah tu s'occuper à Salinini, il y a le bien Kangaki Monguna, alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, s'occuper et comme Nini pour que Azala côté dans les conditions ouana, alors Albi Musala et Ngobo Tindaki Biso, c'était juste pour que Bonio Kolabiso. Alors je ne sais pas, le PPAD de Joseph Kabila, n'est-ce pas? Bah cadre na ye o ba uti ko kanga bah c'est bah lobi bon bah tiki marabo tout justice c'est ça la musala nango sokazali coupable asamba bah tout coupé bah tini la inga pe image même si boza ko akize qu'on a une nanga qui avance pour récupérer d'autres coins dans le pays mais il faut pas oublier aussi faut pas oublier à part nanga boza ko luka mais bah tout pe ya IDPS bah komi ko rejoindre Corneille nanga hein, bah, tout paye à, y a IDPS, awa, bah, comme il y a bango, qu'on rejoindre, Corneille, Nanga, peuple congolais. Attendez, je vais vous montrer l'image, y a Batouyo, y a IDPS, bah, comme il kota, et pas y a Corneille, Nanga. Voilà, y a Ngoyo. Voilà, va ta IDPS, bah, comme kota, pas y a Nanga, bangoana. Urgent RDC, depuis Rutshuru, Ange Kalonji, Kombo ya moto ya IDPS wa koti pa ya Corneille Nanga, Kombo na ye, Kombo yo kape gaza mouluba. Urgent depuis Rutshuru, Ange Kalonji, un haut cadre de l'IDPS, rejoint le rebelle terroriste du M23, wana batwa ya Félix Nebakomi. Ils sont en live sur Facebook. Il est aussi responsable de IDPS, IDPSien, de la diaspora en Europe, aux ISA et au Canada. Les rebelles présentent d'autres membres de la diaspora congolaise qui les ont rejoints dans le maquis de Rutshuru. Quelques membres de la diaspora aussi, bah, rejoignent les bango na Rutshuru. Moutou ya IDPS Kalonjiye wana, bah, ke na bango pa ya Corneille Nanga. Bongo bolo bake, ezali kaka, bah, katange, bah, Swahili, bangonde, bah, zoko ta rébellion. Batananga bango wana, bazali na kata rébellion. Et plutôt, bata Félix Tshisekedi, bah, koti pena rébellion, yango wana, lettre PPRD, bazako se plaindre, ou bien, batiki justice, sala musala nango, na muto ba uti ko kanga, yango wana. Voilà. Oh, na kwa yoko loba, rapidement, sur l'actualité, tozo pesa, yango wana. Bako sa binote, balo bana binote, ke non, c'est toujours nange sel, nange t'abandonné, yake de ba Congo, yake de ba Swahili, yake de ba Ngala, bazo kende kote ya nanga. Et le Kasaïen, bango pe ba komi kokota pa yananga,
parce que Bazali dessus complètement na régime ya Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Alors, to démarrer point d'actualité ya makasi awa sur ba tweet oyo elekaki lobby et oyo bomonaki Tina Salama porte-parole ya présidence de la République ayaki n'est-ce pas ko lakisa ba congolais hier tant aussi ici émission na biso na monika ka ba vidéo komiko ya ba vidéo pas de vidéo des images et ça recirculé. Oh pasta yolo baki trop pasta yolo baki trop Félix yeyo azana e awa Félix yeyo azana e awa nabi a Félix azawa nini. Oh yolo baki ke Félix adai. Oh bon yolo baki te ka kufi. Oh yolo baki ke Félix azobela azongi na Congo te me yeyo na soki na cathédrale soki Fatima kuna na Lemba azaye na messe ya père na ye Monseigneur Mulumba aye kuna tout ça hein yo makelo chaki wana za lukuta banini batindi ba photo banini et puis directement to moni Tina Salama yende mta posta ki ngo mutali boso avant que la présidence ait à poster parce que les photos les images ils ali même na compte Twitter officiel ya présidence ya RDC. On a commencé à analyser depuis hier, je dis bon. Malheureusement aussi le bien parce que hier, tant au salaire qu'émission, nous n'avons pas confirmé que Félix Tshisekedi Azali Soki Nengenini, mais tu as vu ça qui vient que ma condition, oh, tu as vu que là, depuis qu'il y a Lunga qui Rwanda, ils a bien été. Je dis ça ici, selon les sources des informations, oh, tu as vu Nango, tu as vu qui nous faisait attaquer. On dirait tant qu'on a qui na Rwanda, peut-être bah piège qui est. Bah ici d'abord avant le Congo, il faut pas en parler. Na batubele na katamboka. Il faut zala monitorer la tension. Kinshasa na Rwanda, soit obi na batu officiellement qui nazo kini Rwanda, obi ma traître na katia Congo. Bah au mono mystique, comment toi tu nous convainc ici? To ina Kagame, to boya Kagame. En même temps, yo ozo kende kuna Osolarana Kagame. Donc, ça sonne un peu vraiment la haute trahison. Alors, M. Antoine Tshilombo, bah, il y a yarara, peut-être Nengwana, sans dire un mot dans le pays. Aïe, n'aïe, Nengwana. Parce que j'ai expliqué encore bien hier, si le voyage était officiel, bah, tout le monde entier, bah, il y a le président congolais a sali déplacement, n'aïe, à Rwanda. Les autorités rwandaises bah porter assistance n'est plus parce que babi que mboka na yebi s'il y a un problème oyé komiawa bakolobanini que Rwanda mutu azali derrière assassinat ya président wana ya président na bango ya RDC. Alors le gouvernement rwandais aussi, pour ne pas porter, je vous dirais, la responsabilité, je pense que le gouvernement rwandais n'a jamais que eloko moko boye comme la Félix Tshisekedi nakati ya Kigali kuna nakati ya Rwanda. Voilà le pourquoi, peut-être moi je pense que ba piéger Félix Tshisekedi ba ebisye que ya ka Rwanda mais ko sala ngo communiquer officialité. Félix a commis Kigali. Et j'ai répété avec vous ici. Journalisme. Et ça, journaliste à RTNC. Et ça, journaliste à Mbokaninité. Il y a un média, il y a YouTube. Journaliste à chaîne officielle. Une chaîne officielle. La chaîne belge RTBF. Journaliste. Il y a RTBF, journaliste, télévision, radio-télévision officielle. Il y a République Belgique. Ape Sabino, information erronée. Mundela yebi, information erronée. Eko kouteye tra, ako perdre Moussala naye. Et puis il peut avoir des poursuites judiciaires.
pour l'information à Mabé. Alors, le journalisme à Mundele, il doit vérifier ses sources. Et surtout que les journalistes, on attend à ce information, Azara qui n'a Bruxelles, il n'était pas en Belgique, il était bel et bien à Kigali, au Rwanda. Réfléchissons quand même. Ne soyons pas dupes, mes frères et sœurs. Ne soyons pas dupes. Réfléchissons quand même. Un journaliste belge, de la radio-télévision belge, a écopé sa bonne information. Qui, il sait bien que par rapport à la crédibilité, il y a journaliste, il y a télévision à Bango, les médias, surtout que Zali, chaîne officielle, il y a l'État, ils allaient suivi na roi, na gouvernement Mobimba, parce que le gouvernement d'abord considère, avant que le retard la chaîne privée, d'abord chaîne na bango nationale. Ba konditu ya mboka ya monde entier, avant que le retard la chaîne privée, ba kota ka liboso na chaîne na bango nationale. Parce que yabi ki information kuna, et qu'on a mingi peut-être un avantage na bango na ba gouvernement na bango ba tala na no journal na bango avant ba ke consulter privé. Si ko journaliste wana ya belge bête qu'il est to lo bandengo wana ke aza zoba abimika na télévision kaka ndengo wana et aye ko confirmer bino ke Félix Tshisekedi aza na Rwanda. Mais ça c'est grave comme accusation, comme révélation. Il ne peut pas dire des trucs pareils. Si ce journaliste n'a pas vérifié les sources de son information. Voilà le pourquoi j'ai beaucoup insisté ici pour vous dire ce journaliste a pessimisé fuite information, mais peut-être va gronder, va gangelier, va bisier que yo nana ebisio bim cette information là. Information o e falenge e batama ya ko batama salenge ki pa monde tout ba tout ba bamba ba. Et grave encore, le déplacement à Félix Tshisekedi na Rwanda. A komi Kigali, boye. Bah, toi, Monique et Félix étaient là. Les journalistes ont vu Félix Tshisekedi à Kigali. Il était bel et bien na sol rwandais. Félix Azalaki na Rwanda. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé là. La chose là, jusqu'aujourd'hui, non, te maîtriser en côté. Non, te maîtriser en côté. Félix a commis à Rwanda, directement à mon anité. Parce que quand le journaliste a donné l'information, na kata sal, Félix n'était pas là. Bah tout bah, en temps, bah, mon présence à Félix, c'est dans la kata sal, bah tout bah, douté, bah, la mort, bah, ah, mais si qui Félix a zala qui wana, étant que président à Congo, a quoi qu'on zang à la cérémonie, tenez qui tout mon aïe, na kata cérémonie. C'est ça là où il y a l'ambiguïté et puis la confusion. Ah, mais il y a tant que chef de l'État, mais tout le monde a ta image, c'est là où il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, comme Makambozala qui a Kobatama, donc Félix aussitôt arrivé au Rwanda, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Nengini Makambozalami, Batoualbi Nabiso Kaka, selon Basus Moussou avec information, qu'il a fait malaise dans Kata Rwanda, Longo Liesus de Rwanda, aïe Bruxelles, aïe Belgique. Après le soir, le Belge va démentir l'information à présence d'Aï. Mais pourquoi va l'ingagi Félix Amon en atteint à Kata cérémonie? Malgré présence d'Aï Zalaki na Rwanda, mais pourquoi va l'ingagi Félix Amon en na foule, na présence à Batou? Ça cache beaucoup de choses. Ça cache beaucoup de choses. Félix a commis Belgique centaine d'Aï Zalaki bien t'es. Nde batu mususu ba bengi biso bike pasta. Nga na kwe bisa yoke batu wana ya mboka wana. Baza makasi na kubeta batu bandikila. C'est comme si ba beti Félix Tshisekedi loko moko. Alors, mwana mai, on ne sait jamais, ma watro, nde akeko se retrouve na Belgique kuna na hôpital. Oh! Bino bo osaka na makamboya. Nde akeko se retrouve na Bruxelles malade. A beti pi de une semaine. Félix a zoomé en athée. Nde toye koyoka rentré na Salamaki samedi. Mais pourtant, c'est lui qui a fait appel au groupe Wazalendo. Ba chef à Wazalendo, bazana kintasa, bazo zera bakoutanaye, a zoomé en athée. Tolekisi samedi,
Félix a été à 4 heures. Tu es bien qu'à en retard, mais samedi, mon beléki, Félix a mon anité. Dimanche, Félix a mon anité. Le lundi, à lobby, tu es au fouille de l'information. Qui m'a dit, oh, ok, bah, Félix, tu sais que dans Zali, banini, tout ça. Ah, Tina Salama, a balancé ma image. Par rapport à ma révélation, tout ça, là, qui? Par rapport à ma dire, tout le bagui, que sa famille, bah, ça, le déplacement, bah, que Bruxelles, et Longina Bango, et Zamawa, c'est comme si nouvelle, et ça, bien, tes conditions, et aucun débienté. On n'a pas confirmé ici qu'il est mort. Il est, si c'est comment, mais tout le monde qui est la famille a sali déplacement avec la maman Marthe, ce qui est à Bruxelles, les conditions sont bien. Et d'ajouter, aujourd'hui, je viens d'apprendre ici que Denis Nyake n'est pas à Bruxelles. Non, on a évité, hein? Je ne confirme pas, mais il y a même Denis Nyake n'est pas à Bruxelles. Bon, tu peux saquer information, tu peux saquer l'information et refaire le bac. Mais après ma bengi ba tindel biso image ya Tina Salama o ya lakisi Félix Tshisekedi na église catholique ya Fatima bisika kenda ki messe ya Monseigneur Mulumba. Mais non, ba congolais ba komi ko analyser ba photo wana. Ils ont commencé à analyser les images pour voir l'authenticité si cela est vrai et si c'était le même jour que Félix akangaki ba ma photo en haut, c'était vraiment hier, le 15, pour le lot, le 16. Si c'était vraiment le 15, que Félix Sakanga qui ma photo. Alors. En regardant les images, il commence à comparer. Et directement, curieusement, n'a qu'on comparé par l'image, bah, comment on a, na photo en haut à Félix, il y avait la présence de Luaka Singhize, alias Vital Kamere na Kati. Et puis, photo moussous, il y a garde-corps rapproché. Bah, Talib a comparé. Les Congolais ont commencé à douter que les images où Tina Salama a balancé qui lobby na Twitter, qu'elles allaient authentiques, et que la présidence aussi, je vous dis, le compte Twitter, il y a présidence, peut balancer qui bah, image à Félix Tshisekedi, que bah, image où elles allaient. Ils sont liés, bien sûr. Mais est-ce que Zalaki a solo, il y a le 15 que Félix a kangisa ki an. Analysons maintenant ces images avec vous. Bande konangai, boza kolandangai. Analysons. Alors, tokei na image il y a oyo ba ebisi biso nanu Félix Tshisekedi d'Azali, Azaki na église Fatima. Si vous regardez Nalikolo wana, ande, nazo wango wa ponatanga confusion te. Tande, wata, wala. Wezi yango, Fatima, voilà. Alors, c'est lundi à l'église Notre-Dame, donc hier c'était le lundi, c'est lundi à l'église Notre-Dame de Fatima, le président Félix Tshisekedi a pris part à la messe de Requiem organisée à l'occasion de la 4e année de disparition de Monseigneur Gérard Mulumba, son tout premier chef de la maison civile, l'abbé Justin Kalonji. Mulumba, Félix Tshisekedi, prédicateur choisi pour cette célébration eucharistique a estimé que ce requiem en pleine Pâques est significatif. Avec Pâques, nous reconnaissons la victoire de la vie sur la mort. 4 ans après, nous proclamons que Monseigneur Mulumba vit à travers ses œuvres. Décédé le 15 avril 2020 à l'âge de 82 ans, en pleine pandémie de COVID-19, Monseigneur Mulumba était chargé de la gestion, de l'intendance et de la logistique des résidences et des sites présidentiels privés, ainsi que du secrétariat du chef de l'État et du service médical présidentiel. Monseigneur Mulumba. Alors, bonjour, Sobotali Manjouana, peuple congolais, Yende Mutakomaki, Lobby Ndeba Komakina, Kinzonzi, Soki Kinzonzi, point CD. Mais ça Félix Tshisekedi a participé à qui lobby. Après le temps, tu es comme on a, il mange, il y a Félix Tshisekedi sous na salle. Bon, moi je peux vous dire,
oh monsieur dans mon équipe là qui a présidence. Si vous regardez oh la présidence, bah c'est trois photos. Na oh la présidence. Bogomo na la image yo. Bazo la kisabiso awa. Félix Tshisekedi azali presque yemoko d'abord. Ba patumusus ba vandi pembe na ye to bazala sima na ye ba monanité. Si vous regardez cette image très bien. Donc on ne voit pas trop clair qui sont derrière lui bien en ngambo na ye. Wana ya liboso et bimaki na présidence. Yami balé, image yami balé bimaki na na kati ya présidence. Wapi yango? Je crois c'était ici. Voilà, non, voilà, c'était ici. L'image a mis balai, il y a présidence. Ben oui, voilà. Il y a présidence, il y a Ngwana. L'image a mis balai. Oh, il y a présidence, c'est Bimaki. On montre toujours Félix Tshisekedi. Na Batunaye, l'image a mis balai, Ngwana. Mais là, on commence à voir un peu clair. Il y a Bato Bazali tout autour. Il y a chef de l'État d'Obaza Simanaye. Et ça n'est suivi. Oyo Tina Salama Yemoko a publié qui na compte Twitter na ye il va pengo yango yo ya mulai oyo bozo komona ta mulai penda ezaki wana mulai bozo mona yango je peux vous montrer c'est là yango yo image wana ya Félix Tshisekedi presque batubele o bazala ki na ye na plein mes wana ya requirement ya Monseigneur Moulumba. Alors, en regardant, en consultant ces images, c'est là où maintenant ça commence à poser problème et poser des questions. Pourquoi? Parce que, bah, Congolais, bah, dit, ah, on doit d'abord vérifier si, ça c'est Félix Tshisekedi, bien sûr, mais est-ce que les images là, ils allaient qui réellement, il y a le 15, comme on nous fait croire? Na outu kozwa image mususupe, je pense que na habite so kezaka la même veste yango, mais je pense que kozwa la même veste, voilà, même veste, ya Félix Tshisekedi, que je peux vous montrer ici, yango yo, bozo mona, Félix Tshisekedi ye wana, menge batila ki ye, ba image, tout ça, na kati ya église. Alors, tam totali ba image yo nyon surtout, et bah Congolais bah comme il se posait bah question pour bah y bah réellement si c'était lui ou c'est pas lui ndé bah yeko landise la biso d'abord maloba oyo Christian Tshiwewe qui n'est pas n'importe qui chef d'état major alobaki na moment ya parade na ye militaire je veux faire écouter cela mais avant la Xabino maloba wana na lingi risusu. Na la Xabino, ba image oyo e yaki, peut-être je peux dire, contredire, ba image oyo e zala ki publié na kati ya présidence de la République. Alors, batouba la ki si, ya liboso, na la Xabino, les gens nous montrent ici. Je vais montrer cela. Photo e zala clair, mais vous allez voir Vitel Kamere, ye wana kuna na sima. Mais on bazuye pena bien te caméra aza kuna na sima Vital Kamerhe na sima. Si vous regardez ben vous allez voir Vital Kamerhe. Et puis bon moni garde corps na mususu oyo aza pemenya. Maintenant on bozo ngo très bien. Garde corps bozo mona ye awa ba filmer le susu awa. Bon mona ye oyo zaki na moment ya campagne électorale tant Félix azo sa la campagne. Garde corps na ye ye wana. Garde corps wana ye wana. Mais quand on a monsieur Soupe, bon garde corps. Si vous regardez l'image ici, il y a Luaka Singizi alias Kamere qui est là-bas et vous regardez le garde corps, vous verrez un peu la différence dans ces images. Oyoyo. Allons plus loin. Si on avance, la journée d'hier, le 16, peuple congolais. Bonjour mon Angouana, regardez, regardez bien, regardez très bien ces images. Vous allez voir ma filmé garde de corps wana batie na rondre. Regardez mes batie garde de corps na rondre. Batie peut Vital Kamerhe na rondre. Vital Kamerhe wana peut ma filmé. Si vous regardez Vital Kamerhe awa,
cravate alati couleur azanango na cravate oyo caméra alati na kotoyo. Attendez, je vais montrer bino bozo la nanga pe awa parce que c'est très important bapango na zo ngo awa. Voilà. Soki botali caméra awa, vous allez voir que Loaka Singize veste alati eza ndenge moko te na veste oyo azalaki na mon église. Soki botali garde na ye santé wa azana ngo awa wa na santé oyo azalaki na ngo na moment ya campagne ya 2023 eza un peu différent. Il a beaucoup il a eu le poids. Ah, il a augmenté le poids comme on dit. Il a augmenté le poids. Donc abaksa ki kilo mwanda mna nzoto na comme moi munene. Donc par rapport à photo wana oh, bazo la kisabiso eza 2024 na ya campagne ya 2023 na décembre bozo mona ke ya une grande différence. Et bato yo bakomi balobi boy pasta tangela bato ceux qui disent que Chilombo était aujourd'hui à l'église peuvent-ils comparer Kamere quand à la photo quand la photo a été prise et celui qui a été celui qui est allé voir la première ministre aujourd'hui, garde du corps de Joseph Kabila, quand la photo a été prise et celui de la campagne électorale, cette photo que Tina Salama a postée doit dater de 2019. Et Vital Kamerhe était encore directeur du cabinet de Félix Tshisekedi. Donc on voulait nous expliquer quoi? Garde de corps oyo balakisi biso ezali garde de corps azalaki soki ya Kabila je ne sais pas, mais Félix a récupéré et ba travaille kanaï. Hier, la journée d'hier, Vital Kamerhe akendaki kota la première ministre. Ya sika pona ba consultation nenge bazo linga ba sala gouvernement na bango. Alors les questions se posent, est-ce que Kamerhe en même temps a kené kota la premier ministre en même temps a se retrouvé qui open église? Parce que moi je pense, soyons honnêtes, soyons justes, si Félix Tshisekedi était présent au Congo, je ne pense pas, moi, je ne crois pas que Félix peut faire le déplacement de l'église Fatima sans la présence de Augustin Kabuya, hein, d'abord, sans la présence de Samalou Kondé, sans la présence de Bahati Lukwebo, sans la présence de Mboso Nkodia, sans la présence il y a nouvelle premier ministre Oyo Yasika. Je ne pense pas que Félix Azor Kenelo Kaboye ba autorité wana ba ko kozanga pembeni na ye. On connaît bien le Congo na ndenge tozalaka na culture ya personnalité ba to wana ba kozanga te que Félix Azor salisa messe Judith Oyo premier ministre Yasika azanga, Samalou Kondé azanga, Bahati Lukwebo azanga, Mboso Nkodi azanga. Et là même, je n'ai pas vu Maman Marthe. Et puis aussi, Kabuya, Bazanga. Et puis, je peux dire encore même Jean-Pierre Bemba, Azanga. Je ne pense pas que Batouana va voir Tika Félix Yemoko. Ici, la photo peut être de 2019. Parce que lobby hier, Vital Kamerhe, Akendaki Kokutanana, première ministre. Vital Kamerhe akende kokutana naye na premier ministre pona ba consultation ya formation ya gouvernement. Bon, comment le même Vital Kamerhe akende kokutana na premier ministre, le même Vital Kamerhe ye moko pe lisusu azalaki pe na Fatima avec Félix Tshisekedi? Ça semble un peu flou quoi. Ça semble un peu fou. Et si on avance plus loin, on peut écouter Maloba Oyo. Qui a dit ça? Chikoti Tambo et Chikoti Wewe. Christian Tuwe plutôt. Christian Tuwe a l'obaki na moma ya parade. Tangabandeko, yebisa. Nengeni na l'obaki na batuke. Le chef de l'État n'est pas là. Boyoka, Tuwe nenga zoloba.
Mais avant tout cela, Nazaraki, na commandant suprême, il fallait obtenir parade Oyo et Azala na Kinshasa. Comme Azalaki na Kinshasa te, comme Azalaki na Kinshasa te, comme Azalaki na Kinshasa te, il ne fallait pas tous à la parade. Alobi nanga ilobi, général Kende posa la parade, au sangisana ba policier, au slona bango, oyo, ngai na yebisio, pour transmettre fidèlement message nangai. Mais avant message, au pèse langa bango, nyon son mbote. Yango mokonzi ya mboka, apesi bino nyon son mpinga mbote. Voilà. Est-ce que y a encore des choses à dire là-dessus, mes frères et sœurs? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Qui parle ici? C'est Christian Tueux, le chef d'état-major. Ce n'est pas n'importe qui. Nega na utu koloba makambuya tina salama awa bimisi information akobi misango na aventure te parce que ebi ke ça peut coûter poste na ye ko coûter vie na ye ko coûter makambebele. Mais comment chef d'état major akobi sabino ke na utu kosolo na chef de l'état makambo na ye koloba wa tozala ki na ye entretien yende mtaba ki na nga to sala boeto loba boe na pesa bino moral. Comment un chef d'état major akoyi ko ya koloba to solo la voilà na kangango wa peuple congolais. Nazaraki. Le chef d'état-major Ayako Ebisabino Makamboyo Sokaza nango surité Nazaraki. Donc Aoutiko Kozalana président Basolo Linaye Basali Batretien. Le chef d'état-major et président n'était pas dans le pays. C'est lui qui a confirmé. Mais Nasolo Linaye a bien en transmettre Bino Bambote Naye Nape Sabino Bambote Naye. On transmet le bambote Namutu Aza présenté. Bon, peut-être, je ne sais pas s'il était dans son bureau ou puis quelque part caché. Bon, comme il partait dans la messe là, yango alba ki na tuwe, yo kende ko sa la parade parce qu'il y a kende na messe ya Monseigneur Mulumba, je ne sais pas. Mais en connaissant Félix Tshisekedi aussi, que messe Mulumba ko salama, mais Félix a causé la parade militaire, était pour fouba monaye commandant suprême. Peut-être il voulait avoir deux ou trois mots. Il y a quoi s'adresser à l'armée, à la police. Na comment Félix Tshisekedi peut seulement déléguer tuwewe loba ngai na kena na messe ya Mulumba. Oh même na kozwa lobaté. Non. Il y a quelque chose là qui se cache. Et tuwewe était clair. Na transmettre bino bambote na ya pesi bino mbote. A pesi bino moral bo trahir mboka te banini tout ça. Il n'était pas dans le pays. Il n'était pas au Congo. Félix Tshisekedi. Naoutu koyeb sabino. Lwaka singize Vital Kamerhe. Azalaki na ye. Na réunion. Peuple congolais. Kokuta na. C'est d'abord ce botali. Kamerhe awa. Bon, na Kamerhe aza un peu différent. Na manini na ye. Mais photo wana. Ce botali wapi Kamerhe. Ye yo. Botala Kamerhe. Akenda yi bakamuna ya consultation. Ya ma poste ministériel. Yé yo Kamerhe. Ministre Wayambo, to sepeli mingi, nandenge abandi musala, yale lo eza mbalami baleto mwona ye, eza pour la formation ya gouvernement. Ba kriteru ya zui, ya representativité, ya compétence, c'est-à-dire koye ba musala, ya mwasi pe ba pese valeur, na pembe na mobali, et puis kota la, na la kosa la nini, na place nini, to mwoni kezali malamu. Ya mi balé, tout ça d'accord na ye tout ça la gouvernement a mouketé mais tout ça la paix a mounele mingité mais ya mouke mingité ya mounele mingité et répondre na ba besoin ya mboka na biso mboka na biso na zana bitumba mboka na biso za Sénégal te oké au bimba la moko lobi 25 ministres et bandi mba la moko non c'est 2 345 000 km², 100 millions d'habitants faut tenir compte de ça mboka na biso za France te mboka na biso za Rwanda te za Uganda te za Tanzanie te Bokana, je suis en Zoko, c'est la RDC. Il faut que le gouvernement, il y a en Zoko,
gouvernement parce que ce n'est pas le nombre qui compte quand vous voulez travailler, c'est la capacité, l'intellectualisme. Vous pouvez créer beaucoup de trucs dans le domaine wana. Ce n'est pas avoir 100 ministres pour arranger Congo. On n'est pas là pour aujourd'hui. Alors, voilà, Boyoki Kamere, à qui est la première ministre lobby. Bon, oyo à côté, entrant. Shkoyo, akemba la moko pa néglige wana ya Fatima Ndeni. Ça, c'était mon bas caméra, zagi directeur à cabinet. Tina Salama nous a menti. Tina Salama doit des explications aux Congolais. Il a menti. Félix Tshisekedi n'était pas dans la messe là. Pourquoi Bozo Bamba? Bozo Bamba nini? Si c'est vraiment Félix Tshisekedi était là. Et puis même l'image, Yami Balé, il y a aussi le flou. Na makambo bango bazako loba awa ezali image wana bozomona na kula kisabino image ya Félix Tshisekedi a côté de Denis Nyakeru bande konanga a côté ya Denis Nyakeru ye wana Félix Tshisekedi na Denis Nyakeru ndenge bozomona wana mais na likolo ba komi boye une ancienne photo le président de la République n'était pas à la messe. Oyo, même Israël Mutombo, l'okuta na politique pe alakisa kiango. Photo oyo, ezali yakala. Biloko image oyo, na video baza kotia, ezali yakala. Une ancienne photo. Ya Félix Tshisekedi. C'est pas aujourd'hui. Bozo ko banga nini. Bazo ko mo misana ba image yakala. Bolo bana ba Congolais vérité, qu'est-ce qui se passe? Bolo bana ba Congolais vérité, qu'est-ce qui se passe? Yango wana masolo soki masolo nani comment s'appelle masolo soki masolo nani alobi boy na meso esalama ki lobi na nini Fatima abi urgent la photo du président Fatih 13 qui tourne sur les réseaux sociaux est un fake news. Monsieur le président ne se trouve pas à Kinshasa. S'il y a quelqu'un qui a le preuve de mes allégations, qu'ils viennent me prouver le contraire. Tata Cardinal signe un bras de fer. Félix Tshisekedi n'est pas à Kinshasa. Oh, tout bazar, là, qui s'est pas image, il y a Félix Tshisekedi dans la capitale congolaise, c'est du mensonge. Chilombo n'est pas dans la capitale. Oh, tout bas, Pessi, même, il a, donc c'était simplement pour faire taire le rumeur. Faire taire le rumeur. Yangwana babimisi ba image, wana, c'est pour faire taire le rumeur. Que babimisi ba image, wana. Chilombo n'était pas dans la capitale, il n'est pas dans la capitale congolaise. Bon, totalement, nous sommes. Peut-être que Bima appelle Lelo, totalement, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que Bima Lelo, Aboya Roloba. Peut-être que Bima Lelo. Kamere, wana, Kamere, bonjour, la caméra, Zola Ndarasou, Félix Tshisekedi, Mikolo. Kamere, tant la caméra, wana, directeur de cabinet à Félix Tshisekedi. Nde ba yagi ko sa la messe, na ba on a 2019. Bon, on y a tellement de membres à gouvernement, wana. Ba ye wana. Savoir, c'est savoir. Savoir, c'est savoir. Camarades, officiers et soldats, le peuple congolais, encore une fois en ce jour, a besoin de votre sérénité. Mais avant, tout cela, Nazaraki. Na commandant suprême, hein? Il fallait obtenir parole de Azala na Kinshasa. Comme Azala qui na Kinshasa, il ne fallait pas tous à la parole. Alobi nanga ilobi, général Kende posa la parade, au sangisana ba policier. Osrona bango oyo ngai na yebisio. O transmettre fidèlement message na ngai. Mais avant message, o pesilanga bango nyonso mbote. Yango mokonzi ya mboka a pesi bino nyonso mapinga mbote. Voilà. Yango wana. Mbote lisusu. Niami. Vous, soldats et commandants, visez les armes sans ordre préalable qui vous sera donné par la hiérarchie
selon l'heure que je donne en ce moment. Wana dans la sa vidéo et dit qu'à peine na moment oyo muza kufaka muza zalaga na libanda ya Congo et bemba muze batutu si ba yebi ke muza uti kokufa na ye. Alors Eddie Capen, celui qui était chef d'état-major à cette époque, joua pouvoir orienter Mboka nde avanda na ekimia nde toki omona Joseph Kabila comme président ya Congo. Donc je dis bien que deux vidéos basalele ngo pona nini pona kulaksa ke ya y a un moment aussi on a connu des trucs pareils et la bêtise d'Eddie Capen, même si le loi zongi soki ndenge nini bazongi sié était ça au lieu à joua pouvoir. Avanine Kimia, il a fait des trucs. Est-ce que ce n'est pas la même chose que Mwana Mobali Azako répété Christian Tchioué? Ce n'est pas la même chose. Oyo, Eddie Capen, Asalagatan, Moza Koufaka. Est-ce que ce n'est pas pareil? Ce n'est pas la même chose. Bon, total, peut-être Azan est vivant, Bissot Ozako Mikosa. Peut-être que Azapé na Kinshasa, on ne sait jamais. Total, mais, à toi douter, Yango Moninga Pena Lobaki. Ce qui va te douter, boye, vaut mieux que tu aies un Congolais pour déjà l'obito bandai qui a informé Bino que Chilombo n'est pas dans le pays et que la situation sanitaire n'a bien été. Alors, le coup là, il y a une fuite d'informations, Tina Salam a mis ça image, tu peux douter les sous-sous. Bon, si tu peux te dire que Bino peut juger, est-ce que ce le monsieur là est au pays ou il n'est pas au pays? À vous de juger. Hein? Boye, bah, pour selon Batu Moussousou. Selon mes analyses, la photo que Tina Salama a tweetée doit dater de 2019 à 2020. Oyo Tina Salama tweeté qui? Eza 2019-2020. Ezali tangu kamere azalaki nanu du recab. Donc tangu kamere azalaki directeur de cabinet. On n'est pas tous des moutons comme ils pensent. Bisonos toza ba moutonte pour que bako sa biso nenge ba lingba saka na biso. Il y a quoi? Et pourquoi on cache l'information? Bon, total, peut-être Robimalelo, on ne sait jamais. Total, peut-être Maramoussou Segosala, Manango, total. Nous ne souhaitons pas aussi les mal. Naïeb, Bisopeto Yebite, Sokipe, Azanon à Bruxelles, on ne confirme rien. On n'affirme rien, on ne confirme pas encore. Toujours là que ça vient information pour que Bino Pozoa. Mayele na yango po Kongola benga rabatu pamba pamba oh pasta yom toloba ki boy oh yom toloba. Non, moi je n'ai pas encore confirmé quelque chose ici que Félix est mort. Félix ne, non, je dis que il y a des doutes par rapport à ma image ndenge za kobima. Faisons voir la suite ndenge yango eko salama. À très bientôt peuple congolais. Merci na bino oyo bolandi biso pe na Twitter yo kokota na sima. Aimer partager la vidéo et que ça la bisope bien bisika oyo ozali. Merci beaucoup bande konanga tokuta na bino n'est-ce pas prochainement na édition monsieur. Aimer et partager s'il vous plaît, aimer et partager. Mais bande quoi Twitter malheureusement bino kuna soki tokati kati pe malama. Le malheur, il y a Twitter, il y a, on ne poste jamais des lives. Voilà, à la prochaine. Bande Konangaï, ciao. Désignera le futur président. Oh, mais vous savez, il faut arrêter avec cet intégrisme qui nous avilie, cet obscurantisme. Vous voyez, le peuple confère, parce que je voudrais même aller plus loin. Le peuple confère le mandat de 5 ans à quelqu'un. Mais savez-vous que le peuple est capable de retirer ses mandats une année après? Dire que monsieur, nous vous avons donné ce mandat de 5 ans, tu es incapable, nous reprenons notre mandat. Ça ne voudrait pas dire que quand on est élu pour un mandat de 5 ans, on est là, c'est 5 ans qu'on doit faire, même lorsqu'on ne fait rien, même lorsqu'on travaille contre le peuple. Le peuple t'a même de retirer son mandat. Vous l'ayant donné, le peuple trouve que vous êtes incompétent, le peuple trouve que vous travaillez pour vous-même et pas pour lui, il peut vous retirer ce mandat. On a vu ça dans plusieurs pays. Ce n'est pas l'anarchie, on parle de démocratie. C'est ça, vous prenez c'est la légalité, la démocratie. Vous prenez la légitimité. L'anarchie, ce dont vous parlez, c'est l'anarchie. Mais le peuple, il récupère son pouvoir comment? Mais là, nous allons tuer ce pays. Là, nous allons carrément tuer ce pays parce que un jour, on aura des présidents qui ne feront rien pour ce pays.
par la force des choses élu, mais il fait rien, le pays est en train de mourir. Le peuple est en droit de dire, monsieur, arrêtez. On l'a vu en Tunisie. On l'a vu en Égypte. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens que la légitimité, lorsqu'on l'a, on est devenu intouchable. Non, mais c'est le pouvoir du peuple.